Love, free. To Belgium. No. 4-2. Wilkinson qui fait des petits pas pour se décontracter. Rentrer dans ce match, ne penser qu'au point à jouer, surtout pas à l'importance de l'enjeu. Il est pas mal ce Bratanov. Oui, là il est bien entré dans le match. On l'a vu souvent incisif sur la première balle. Beaucoup de difficultés pour l'instant pour Håkansson de contrôler le premier topspin de Bratanov qui semble chargé de beaucoup de rotations. 3-8. Et des faux airs de Christophe Legault, Håkansson. Ça commence à aller mieux pour Håkansson. Oui, il a servi un petit peu mieux là sur les trois derniers services. Il a empêché Bratanov de pouvoir démarrer fort la première balle. 10-6. Donc j'ai dit Martin Bratanov au début de ce match. On va dire Martin. Il est belge maintenant. 11-6. On entend Jean-Michel Seff justement qu'il crie derrière lui. Allez Martin. Net. 11-6. Il est un petit peu gourmand là Bratanov. Il avait la possibilité de mettre tranquillement cette balle sur la diagonale. Il a préféré prendre quelques risques ligne droite. Quand même une belle avance Bratanov. Monsieur Wang, Didier Leroy ont l'air plus tranquille que Ulf Karlsson, mais alors ce n'est qu'une apparence. Hein. Et Bratanov le joue vraiment très très bien là, depuis le début de ce set. Point d'avance pour la Belgique dans ce premier set. Un petit peu étouffé Håkansson depuis le début de ce match.
Bon, il y a Canson qui a peur d'ouvrir dans le plein coup droit de Bratanov, et je pense que c'est une erreur, parce que pour l'instant, Bratanov anticipe très très bien, sachant que toutes les balles lui arrivent diagonales. Il faudrait absolument que Hakanson arrive à ouvrir un petit peu, sinon en ligne droite, au moins milieu de table. Voilà, c'était fait sur cette balle, mais la remise des services était relativement facile. Et même au service, je pense qu'Hakanson doit servir un peu plus sur la demi-table coup droit de Bratanov. Yo, 15-10, Belgium. 15-10. Oh, alors. Beaucoup plus entreprenant, Bratanov. Apparemment également beaucoup plus relâché. Oui, on sent un peu de crispation chez Hakanson. Voilà, c'est la première balle où il va chercher Bratanov dans le courant. Oh, il est en pleine réussite. Ça fait deux fois qu'il pose un revers long de table sur la sur le bord. Il faut absolument qu'Hakanson arrête de jouer dans ce revers parce que Bratanov est complètement réglé là. 18-10. Le bras d'Hakanson qui devient de plus en plus hésitant, lourd. Aïe, aïe, aïe. On le sent très crispé, il a peur là du résultat dans ce premier set. C'est vrai que ça va être un résultat difficile à digérer. Dix balles de set pour Bratanov. 11-20. Net. 11-20. 12-20. Ah oui. Alors la côté revers, il est parfait. Bratanov, il n'a pas dû commettre une seule faute. Hakanson, lui, est vraiment très hésitant depuis le début de cette partie. Apparemment, l'enjeu est en train de le paralyser. Et premier set pour la Belgique. Mais alors, vraiment très tranquillement, 21-12. On a l'impression qu'on revoit le match de Jean-Michel Seve face à Wallner en début de partie. La Belgique, une nouvelle fois, très bien partie dans cette demi-finale. Ouais, et puis là, on a vu vraiment Hakanson passer complètement à côté de ce premier set. Il est effectivement paralysé par l'enjeu. On le voit rien tenter du tout. Il a réussi un coup fort, je crois, sur tout le set. Il n'ose pas non plus ouvrir dans le coup droit de Bratanov. Il est complètement inhibé par l'enjeu de la rencontre. Ouais. Bon, je pense que les solutions pour lui, elles sont pas physiques, elles sont pas tactiques non plus. Elles vont être vraiment au niveau de la confiance. Il faut absolument qu'il arrive à se libérer, à tenter un petit peu. C'est un joueur qui habituellement aime prendre quand même quelques risques. Et là, on l'a vu subir et attendre la faute de son adversaire. C'est certainement pas comme ça qu'il peut déranger Bratanov.